Bonjour à tous, je suis Maud de découpeuse-laser.com et je suis aussi la fondatrice de gamemart.com et je vais vous partager un défi que je me lance pour les 5 prochains mois. Donc je veux lancer une nouvelle entreprise de découpe laser, donc un nouveau site internet, des nouveaux produits, et mon objectif c'est de partager avec vous mon avancée, tous mes documents, donc tous mes documents marketing, tout, voilà, toutes les avancées. Je vous montre rapidement le premier site, voilà, donc gaiamart.com, c'est un site qu'on a depuis 2019 ou 2018, sur lequel on vend des symboles en bois. Donc là, en termes de chiffre d'affaires, on est sur du 75 000 euros sur l'année dernière. Et on a bien progressé en termes de chiffre d'affaires sur les premières années. Et puis ensuite, j'ai moins travaillé le marketing justement. Et ça s'est stabilisé. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, mon objectif sur les 5 prochains mois, c'est de partager avec vous tous les documents que je vais créer. Donc d'abord, je vais prendre en main la machine parce que je reçois une nouvelle machine, la Mira 7 de l'entreprise Aeon Laser. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos aussi. Parce que je vais la présenter, c'est l'entreprise qui m'a contacté pour présenter cette machine. Donc on va prendre en main la machine. Dans une deuxième étape, je vais faire l'étude marketing. Donc on va définir des objectifs, on va faire l'étude de marché, analyser la concurrence, faire un budget prévisionnel et créer des personas, des profils type d'acheteurs. On va aussi créer une offre. Une offre qui est adaptée à une cible, donc définir aussi les prix qui vont avec, les services, ce qui nous différencie de la concurrence. On va aussi créer le site internet, les visuels, la création du site, voilà. Et au niveau de la prospection, on va lister les clients potentiels et des marchés, et puis créer des documents qui vont nous aider à démarcher plus facilement par la suite. Donc voilà, si ça vous dit de suivre ce défi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à suivre nos réseaux sociaux et on partagera avec vous tout ça. À bientôt.